and that above all other names, because the Bible declares that there are no other names that were given to us par lesquels nous obtenons le salut, through which we receive la salvation, vie, life, et la délivrance. And deliverance. C'est le seul nom de Jésus. Is the only name of Jesus. C'est ce nom que nous sommes non seulement venus élever. It's his name who is going to be lifting up. Mais c'est par lui que nous voulons aussi être enseignés. It's also through him that we want to be taught. Selon qu'il est écrit, il envoya sa parole. According to what was written, that he sent his word. Et celle-ci apporta la guérison. And he brought healing. Tu nous as fait du bien depuis mercredi. You did good unto us since Wednesday. Et comme ta parole déclare. And your word declares. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. It's better the end of something than its beginning. Te prions encore de nous faire du bien cet après-midi. We pray that you do good unto us again this afternoon. Pour ta seule gloire. For your own glory. Et pour notre édification. For our edification. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons reprendre nos places. Alléluia. Bon après-midi à tout le monde. Good afternoon, everybody. Est-ce qu'on peut se dire bon après-midi à gauche, can we greet each à droite, other, devant, left and right, que Dieu soit béni. Behind, may God be blessed. Mon épouse et moi avons des cœurs très reconnaissants. My wife and I are very grateful. Vis-à-vis de ce grand Dieu qui nous a gardé d'abord de l'Afrique jusqu'au à Edmonton au Canada. About this great God who brought us from Africa to Canada. Et puis d'Edmonton, il nous a amené ici. And from there to here. Et pour toute cette semaine merveilleuse que nous sommes en train de passer. And this amazing week that we're living. Et notre gratitude va aussi auprès du pasteur Gabriel ainsi que de son épouse. We're also grateful to Pastor Gabriel and Je voudrais leur demander de se lever, est-ce qu'on peut les honorer. I want to ask them to please stand so we can honor them. Jeunes en âge, mais ils ont une passion formidable pour Dieu. Young in age, but they have a drive for God. Que Dieu les amène encore de gloire en gloire. May God bring them from glory to glory. Merci aussi à la merveilleuse équipe d'hommes et de femmes qui sont derrière. Also, thank you for the amazing team of men and women who are behind. Déjà dès demain, Jacques l'élégant va nous manquer. Yeah, James is going to leave. Chaque fois que je vois Jacques, je dis la spiritualité n'exclut pas l'élégance. Each time I see him, I say that spirituality also works with elegance. Il est tout le temps élégant. J'ai même l'impression qu'en pyjama aussi, il doit être élégant. Elegant, even in pajamas, I can imagine. Merveilleuse équipe d'hommes et de femmes. Merci aussi. Amazing team of men and women. Thank you to you as well. Les femmes qui toute la semaine étaient là. I see amazing people who were here all week long. Et vous savez, quand on dit time is money, chez nous en Afrique, time n'est pas vraiment money. Back home, time is not money like here. Et time is money, c'est vraiment ici. Time is money is here. Et vous voir malgré vos occupations, to see you even though you're busy, encore, you come back, we appreciate that. Alors j'ai un bouquet de passages, quatre total à lire avec vous. I have four passages to read with you. Qui me servent d'introduction pour clôturer cette semaine. That is an introduce for me to close this week. J'ai pas beaucoup aimé la simplicité du message que Dieu m'a donné pour clore. I didn't really like the simplicity of the work. The word that God gave me to end, but that's what he put in my heart. Et nous allons lire trois passages dans le livre de 1 Samuel. And we're going to read three verses in the book of 1 Samuel. Et comme je l'ai fait tout au long de la semaine pour gagner du temps, je vais simplement lire dans ma version en français. I'm only going to read in my French version. Et vous allez lire dans la version qui est la vôtre. And you're going to read in the version that's yours. Lisons d'abord premier livre de Samuel au chapitre 18. 1 Samuel chapter 18. Du verset 1er au verset 4e. Verse, the very first verse to the fourth verse. 1 Samuel 18, 1 à 4. 1 Samuel 1, 2, 4. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. La seconde portion, nous lisons 1 Samuel au chapitre 20. 1 Samuel chapter 20. Nous lisons du verset 30 au verset 34. Verse 30 to verse 34. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-tu pas que tu as pour ami, ne sais-je pas plutôt que tu as pour ami les fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère.
car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie les chercher, qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait ?» Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva des tables dans une ardente colère, ne participa point au repas du le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Avant, dernière portion, 1 Samuel chapitre 23. 1 Samuel chapitre 23. Lisons du verset 15 au verset 18. Verse 15 to verse 18. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, s'étend au désert des Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, s'éleva à la vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi. » Saül, mon père, le sait aussi bien. Verset 18, « Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. » Et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Et puis enfin, nous lisons 2 Samuel au chapitre 1er. Second Samuel, very first verse. Lisons donc verset 17 à 18. Verse 17 to 18. Et puis le verset 26. And then verse 26. Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saul et sur Jonathan, son fils. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda, c'est le cantique de l'arc, il est écrit dans le livre du Juste, verset 26. Verse 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Tout au long de cette semaine, nous avons parlé sur le thème conquérir sa destinée. This week we talked about to conquer your destiny. Nous avons défini c'était quoi la destinée. We defined what was destiny. Nous avons fait mention des principes attachés à la destinée. We talked about principles attached to destiny. Et le deuxième jour, nous avons parlé des alliés de la destinée. The second day we talked of allies of the destiny. Nous avons dit que pour qu'une destinée s'accomplisse, nous ne suffisons pas nous-mêmes. We said that for destiny to come to pass, all alone, Dieu not faisait enough. Entrer des gens dans notre vie pour nous aider à devenir quelque chose et aller quelque part. That God bring allies in our lives to help us to become somebody and go somewhere. Et ces alliés pouvaient être des gens qui rentrent dans notre vie juste pour un temps court. And those allies could be people who come to our lives on a temporary basis. D'autres ils entrent pour un temps assez long. Some others for a longer time. Mais nous avons dit aussi que Dieu nous donnait des alliés quelquefois pour la vie. And we also said that God sometimes gave us allies for life. Et puis le troisième jour nous avons parlé des assassins de la destinée. And third day we talked about the assassins of the destiny. Nous avons montré que sur le chemin de la destinée, il est possible. We said that on the way of destiny, it's possible. Que ce soit des choses permises par nous-mêmes. That either things that we allowed ourselves. Ou orchestrées par des gens. Or other people. Pour servir enfin que notre destinée n'arrive pas à terme. May stop our destiny from coming to pass. Et hier, nous avons parlé sur le thème quand notre destinée titube. And yesterday we talked about if when our destiny staggers. Quand notre destinée commence à tanguer. When our destiny staggers. Elle ne continue pas à marcher au même rythme, bon rythme qu'il aurait dû avoir. And it doesn't continue to walk in the rhythm that it was supposed to have. Et cet après-midi, en terminant, je voulais simplement un peu comme rattacher sur le, je sais que j'ai abordé le troisième jour. And today I'm going to talk about to attach with what about what we talked about the third day. Parler sur le thème Jonathan, ma bénédiction pour la destinée. Talking about the theme Jonathan, my blessing for my destiny. Jonathan, ma bénédiction pour la destinée. Jonathan, my blessing for my destiny. Il est étonnant en étudiant la vie de Jonathan de découvrir certaines choses. It's surprising to study the life of Jonathan and discover certain things. Et deux choses ressortent dès le départ. Those two things come up from the beginning. Une étude approfondie montre qu'il est resté à côté de David pas longtemps. A depth study shows that he didn't stay next to David for a long time. À peine 18 mois. Only 18 months. Deux mois en une période brève. A very short period. Une période durant laquelle il a enrichi la vie de David. Period during which he blessed, il which a he blessed the life of David. La vie de David. He brought things to the life of David. Des choses qui ont changé ce petit berger venu de Bethléem. That things that changed the little shepherds coming from Bethlehem. En ce presque futur roi que Dieu appela à régner plus tard. On this almost future king that God had called to become to reign later. Mais la deuxième des choses qui marque en étudiant la vie de Jonathan. But the second
thing that's important when studying the life of Jonathan. C'est voir la place qu'il a occupée dans le cœur et dans la vie de David. Is to see the place it occupied in the life, the heart of David. Pour à peine 18 mois de connexion. For only 18 months of connection. Et cela se voit en deux temps. And you can see that in two times. Premièrement, à la mort de Jonathan. The first time at the death of Jonathan. David compose un cantique. David wrote a song. Un cantique qui va obliger plus tard à tous les enfants d'Israël d'apprendre. A song that he made every child of Israel later to learn. Et dans ces cantiques, il prononce des paroles. And in those songs, he says some words. Bon, certains qui ont une certaine orientation utilisent une partie de cette parole. Some people who have a different orientation use part of that. Words. Il dit dans 2 Samuel 1er verset 26. It says in 2 Samuel 1 verse 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, et il appelle mon frère. I'm suffering because of you, Jonathan. He calls him his brother. David n'est pas né de Saül, mais il appelle Jonathan mon frère. David was not birthed from Saul, but he calls Jonathan his brother. Et le terme frère là veut dire nous sortons de la même racine. And the term brother means that we're coming out of the same roots. Et puis il ajoute, tu faisais tout mon plaisir. And he adds, you made my joy. Et il ajoute encore. He also adds, ton amour pour moi était admirable. Your love for me was admirable. Et il termine en disant plus que l'amour que l'on a pour une femme. And he ends by saying more than the love that we have for a woman. J'aurais pas aimé à cette époque être la fiancée de David et que j'entende mon fiancé vanter quelqu'un comme ça. I wouldn't have loved in that time being the fiancée of David and listening to my fiance talking about somebody else ton like that. Ton amour était admirable. The love was admirable. Mais ça s'arrête pas là. But he didn't stop there. 13 ans après. 13 years later. David accède à la royauté. David gets to become king. L'une des premières décisions qu'il prend, il veut faire revenir l'arche. The first decision he makes is to bring back the ark. Mais après qu'il ait fait revenir l'arche, as soon as he does that, 2 Samuel chapitre 9, 2 Samuel chapter 9, verset 1 en parle. Verse 1 talks about it. Il lance un communiqué dans tout le pays. He gives an announcement in the whole country. Y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Is there somebody from the house of Saul? Pour que je lui fasse du bien. So that I can do good unto him. Et puis à cause de Jonathan. Because of Jonathan. Il fait de si bien. What did he do that was so good? Que tu fais de la rétribution de la famille de Jonathan une priorité. That you have to reward of Jonathan's family as a priority. Et ça s'arrête pas là. And he doesn't stop there. Quand il trouve Mephibosheth. When he find that person. Ce jeune homme qui s'appelait Mephibosheth. The name was Mephibosheth. Qui était né et qui est tombé à un moment qui a eu des jambes qui étaient brisées. Whose legs were broken. La Bible dit. The Bible says. Il dit à Mephibosheth, je vais te faire du bien. He told him I will do good unto mais you. Mais il montre que la cause n'est pas lui. Je vais te faire du bien toi, mais à cause de Jonathan. But I'll do good unto you because of Jonathan. J'ouvre une parenthèse pour dire Seigneur, donne-nous des gens reconnaissants. Give us grateful people. Notre monde à nous aujourd'hui est marqué par l'ingratitude. Our world today is marked by selfish people. Tu fais du bien, mais on te rend pas les biens. But you do good unto people, but they don't do good unto you back. Je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. I'm going to do good unto you because of Jonathan, your father. Et il dit deux choses. And he says two things. Il dit, je te rendrai toutes les terres de Saül. I will give you all the lands of Saul. Et il s'arrête pas là. And he doesn't stop there. Il dit, tu mangeras toujours à ma table. You will always eat at my table. Quel honneur que de manger à la table. Mephibosheth mange à la table non pas à cause de lui. And he was eating at the table not because of him, mais à cause de Jonathan. But because of Jonathan. Cet après-midi. This afternoon. Alors que je vais apporter ce message. As I'm going to bring this message. Je vise deux objectifs. I have two goals. La première que le premier que Dieu t'aide à avoir un Jonathan sur ta route. The first one is that God may help you to have a Jonathan on your route. Un Jonathan qui a apporté à David afin qu'il t'apporte aussi pour toi. A Jonathan who brought to David so that he can also bring to you. Mais le deuxième objectif que je vise. The second goal. Si Dieu ne t'apporte pas un Jonathan, deviens un Jonathan pour quelqu'un. If God doesn't bring you a Jonathan, become a Jonathan for somebody. Que tu sois un Jonathan pour quelqu'un. That you may be a Jonathan for somebody. Jonathan qui était le fils aîné du roi Saül. Jonathan who was the firstborn of the king Saul. Son nom en hébreu signifie simplement
cadeau mais venant de Dieu. His name in Hebrew means gifts coming from God. Que mon Dieu te donne un cadeau qui vient de lui. May my God give you a gift that comes from him. Et si Jonathan a eu à jouer plusieurs rôles? And if Jonathan played many roles. S'il a représenté plusieurs choses. If he represented many things. Dans sa connexion avec David. In his connection with David. Il y en a huit que je vais faire ressortir ce soir. That I want to talk about. La première chose que Jonathan a eu à apporter à David. The first thing that Jonathan brought to David. Et que j'ai prié que Dieu place sur ton chemin quelqu'un qui va te l'apporter. And I also pray that God may put on your way somebody who will also bring it to you. Ou que toi tu l'apportes à quelqu'un. Or that you may bring it to somebody. Les Jonathan sont des sources d'un amour frais. Jonathan's are a source of a fresh love. Un amour vrai. Of a real love. Un amour vrai qui a deux visages. A true love that has two faces. Il ne se limite pas aux paroles. It doesn't stop on the mouth. Un amour qui vient du fond du cœur. But a love that comes from the depth of the heart. Dans 1 Jean chapitre 3. In 1 John chapter 3. Au verset 18. Verse 18. L'apôtre dit petits enfants. The Bible, the apostle says, n'aimez little children, pas en parole, do not love with your words, et avec la langue, and with your mais tongue, en action et en vérité. But in action and in truth. Une autre version dit, n'aimez pas seulement avec la langue. Another version say, don't just love with your mouth. Mais allez-y aussi plus loin avec action et avec vérité. But also go further with action and truth. Et deuxième image de cet amour vrai. And the second image of this true love. C'est un amour qui donne. It's a love that gives. C'est un amour qui donne. A love that gives. Dans Samuel, dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthians chapter 13. Au verset 5. Verse 5. L'apôtre déclare l'amour ne cherche point son intérêt. The apostle declares that love doesn't search Les for its own interest. Le vrai amour place l'intérêt de l'autre en premier. The real love puts the other person's interest first. Il en fait sa priorité. It makes it its priority. Et nous le retrouvons dans 1 Samuel chapitre 18. And we find in 1 Samuel chapter 18. Prince d'Israël. This prince of Israel rencontre ce petit berger. Meets this small shepherd. Quand on les met l'un en face de l'autre, on a l'impression que les fils du patron est en face du domestique. When we put them next to each other, we feel like it's the son of the boss that's across the son of a maid. Et quelque chose se passe dans le cœur de Jonathan. And something happens in the heart of Jonathan. Et subitement, il se met à poser des actes qui ont dû laisser David bouche bée. And suddenly he starts acting to the fact that David was surprised. 1 Samuel 18:4 dit. 1 Samuel 18:4 says. Il ôta les manteaux qu'il portait. He took out the coat he was wearing. Donné à David. To give it to David. Il lui donna ses vêtements. He gave him his son clothes. Son épée. His sword, son arc. His bow. Et sa ceinture. And his belt. À un moment, Jonathan se trouve nu. At a moment, Jonathan found himself pour que David naked, soit habillé. So that David may Donne-moi be dressed. Donne-moi quelqu'un qui est prêt à se dépouiller. Give me somebody who's ready pour que to moi je sois habillé. So that I may be dressed. Seigneur, j'en ai assez de sangsues qui se collent à moi sur le chemin de la Lord, vie. Lord, I have enough for people who just stick to me on the way of Des life. Des profiteurs qui ne viennent à côté de moi que par rapport à tout ce qu'ils peuvent retirer de moi. Losers who just come next to me because of everything that they can just get sur from le chemin me. De la vie, même du ministère, j'ai vu beaucoup d'opportunistes, des gens qui s'attachent à moi. Non pas pour moi, mais à cause de tout ce qu'ils peuvent avoir par Roland Dallo. In the way of ministry, I've discovered that many people come close to me, not because they love me, but because of the things they can get from me. Donne-moi quelqu'un qui est prêt à venir pour me donner. Give me somebody who is ready to come to give to Où me. Où sont les gens comme Jonathan qui sont prêts à se déshabiller pour que les David soient habillés? Where are people like Jonathan who are ready to take out their clothes so that David can be dressed? Il a enlevé tout ce qu'il avait de meilleur. He took out everything he had that was good. Que Dieu nous donne dans cette église ce soir. May Jonathan give us par centaines et par dizaines. Tonight at this church, Jonathan's by hundreds. Le vrai amour est prêt à perdre pour l'autre. True love is ready to lose for the other. Je ne sais pas si ce verset biblique est vrai pour toi. I don't know if this Bible verse is true for you. Mais c'est possible, c'est pas vrai pour, forcément pour ton voisin. It might not be real for your neighbor. Pour ton voisin, c'est l'inverse. For your neighbor, it might be the opposite. Ma Bible moi dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. My Bible says it's better to give than to receive. Mais toi, tu n'as pas de problème avec ça. C'est pour ton voisin. But plutôt, il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. You don't have any problem with that. It's more for your neighbor. Et les Jonathan, ils sont prêts à perdre. Jonathan's are ready to lose. David, tu as déjà porté un manteau royal. David, you're already wearing a royal coat. Ressens ce que ça fait. Wear it, feel the way he feels. Prends ma
ceinture. Wear my belt. Et si quelqu'un rentrait dans la pièce de manière fortuite, and if somebody randomly came into sans the connaître room, les visages, without knowing the faces, il croirait que celui qui a habillé, c'est lui le prince. You would believe that the one who's dressed is the prince. Et que celui qui est presque nu, c'est un monsieur lambda. And the one who's barely dressed is just a random person. Les Jonathan font montre d'un amour vrai. Jonathan show a true love. Deuxième des choses. Second thing. La Bible n'en parle pas ouvertement. The Bible doesn't talk about it openly. Mais la tradition juive en parle beaucoup. But the Jews tradition talk about it. Les Jonathan sont des sources d'enrichissement pour nous. Jonathan's a source of being rich David for us. Entre là dans ce palais royal. David enters into this royal kingdom palace. Il doit devenir le futur roi. He must become the next king. Dieu n'a pas voulu le prendre de la forêt à la royauté. God didn't want to take him from the forest to royalty. Parce que Dieu sait que dans le palais royal, les protocoles sont importants. Because God knows that in the royal palace, protocols are important. J'étais à Nairobi avec mon épouse. I was in Nairobi with my wife. Les gens ont chassé Mobutu du pouvoir. People kicked out Mobutu from power. Et ils ont pris les pouvoirs. And they took power. L'un d'eux qui était ministre, je ne vais pas donner trop d'indices. One of them was a minister. Il est allé tenir un discours à New York, aux Nations Unies. Went to New York, to United Nations. Je l'ai vu là, à la tribune, tournant les pages de son discours. I saw him doing that, flipping pages of his speech. Doing it just like that. J'avais honte d'être congolais. I was ashamed of being Congolese. Mais je dis c'est pas sa faute. I said it's not his fault. Il a pas appris les protocoles. He didn't learn the protocols. Certaines choses pour les apprendre il faut du temps. Certain things to learn them you need time. Et c'est pour cela on comprend pourquoi Dieu n'a pas pris David de la forêt à la royauté directement. That's why we understand why God didn't take David from the forest to the royalty directly. 18 mois dans les palais afin qu'il observe les protocoles. He kept him 18 years comment in the palace to learn the protocols. Comment il parle, how our king comment il salue les gens, how he greets people. Afin que plus tard même quand il va fuir chez les Philistins, so later, les protocoles ont été marqués dans son disque dur. The protocols are still with c'est him. Moi, j'aimerais te dire que Dieu permet dans ta vie, il ne permet jamais au hasard. That's why I want to tell you that what God allows in your life is il never happened. Qu'il fait, pourquoi il le fait et quand il le fait. He knows why he's doing, why he's doing it and when he's doing it. And the tradition says le professeur de David c'était Saül, c'était Jonathan. Was Jonathan. Jonathan qui lui a appris David, on mange comme ça. Jonathan taught him David, that's how you eat. On ne fait pas comme ça. You don't do it this way. J'en parlais à ceux et celles qui étaient le premier jour. I was talking about those who were here the first day. Mon épouse et moi, on a grandi dans deux quartiers différents. My wife and I grew up in different neighborhoods. Elle a grandi dans des quartiers à Kinshasa où tous les noms des avenues sont en français. Bananier, orangerie, citronnier. She grew up in the moi, neighborhood. Là où j'ai grandi, c'est Kingo Tolo Tolo, Masangambila. Where names, she had cute names, French names for her avenues. J'ai jamais vu mon père offrir une fleur à ma mère. I never saw my dad offering a flower to my mom. La première fois que j'ai fêté l'anniversaire, c'était dans les mariages. The first time I had a birthday party was when I was married. J'ai mangé avec le couvert à l'âge de 16 ans. I ate with forks and knives when I was 16. Avant ça, c'était foufou à gauche, pondu à before droite. That, it was poisson Thompson, alléluia. Cassava leaves and you just eat with your hands. J'ai jamais oublié. I never forgot. À l'âge de 16 ans, on m'amène chez des amis. When I was 16, I went to pour my la friends. Première fois, je vais manger avec des couverts. For the first time, I was gonna eat with silverware. De and they put a chicken leg. Difficile à tenir la chair. It was hard for me to touch j'ai the meat. J'ai transpiré malgré la climatisation. I was hot, even though dans they cœur, had AC on. Lingala, in my heart, I said in Lingala, take away these things, and I'm gonna eat well. Et quand j'ai commencé à aimer Viviane, and when I started loving my wife Vivian, elle m'a dit Roland, tu sais que tu ne sais pas manger à table. She said, Roland, tu es roi, mais tu ne sais pas manger à table. You are anointing, but you don't know how to eat at a table. Roland, quand tu manges, tu fais beaucoup de bruit avec la bouche. Roland, when you eat, you make a lot of noise with your mouth. Vous savez, dans la vie, il est difficile d'être jugé par Dieu.
You know, in life, it's hard to be judged by those who belong to you. Il faut que d'autres personnes qui ne sont pas toi qui te corrigent. Some other people should be the ones to correct you. Un jour, elle m'a posé la question, est-ce que tu brosses tes dents régulièrement? One day, she asked me, do you brush your teeth regularly? Je dis, pourquoi tu as une mauvaise haleine? She said, you have bad breath every time. La bouche qui est ouin, qui prêche des révélations. An announcing mouth that preaches revelation. On peut avoir une bouche ouin, t'es qui ça mauvaise. You can still have an anointing mouth, but that stinks. Mais j'en parle parce que j'ai pas honte. But I'm talking about it because I'm not ashamed. J'ai eu mon Jonathan qui m'a enrichi. I have my Jonathan who richly blessed me. Et Jonathan a appris à David les protocoles. Jonathan taught David protocols. David, voilà comment on marche. David, that's how you should walk. David, voilà comment on salue. David, that's how you greet. Je viens du Maroc, j'ai vu comment les princes du Maroc, ils saluent presque pas les gens. Tu veux les toucher, pas filage. Donc ça dit ta main ne doit pas rester longtemps. I went to Morocco and I saw how the prince greets people. He comes as if he wants to shake your hand, but takes his hand immediately. Que mon Dieu place sur ton chemin des gens qui vont t'enrichir. May God place on your way people who enrich you. Des gens qui t'apportent non seulement ce que tu n'as pas, mais ce que tu ne pourrais pas avoir par toi-même. People who will bring you not only what you don't have, but also what you cannot have by yourself. Et que mon Dieu fasse de toi aussi un Jonathan pour quelqu'un. And that may God also make you a Jonathan for somebody else. Troisième chose que les Jonathans sont. Third thing that Jonathans are. Les Jonathans sont des hommes spirituels prêts à s'oublier. They're spiritual men ready to forget themselves. Et à oublier leur intérêt personnel. And forget their own interests. J'ai toujours été frappé par le cœur de Jonathan. I've always been shocked by the heart of Jonathan. Par rapport à la succession normale. When it comes to normal succession. C'est lui qui était appelé à succéder à Saül. He was the one to succeed. Il a grandi avec cette pensée. He grew up with Il that savait thought. Cela. He knew that. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. I don't know what happened. Quand est-ce que les choses ont changé? When did things change? J'aime ce qu'il dit. Je reviendrai I love what he sur ça said. Tout à l'heure. Dans Samuel 23. In 1 Samuel 23. Verset 17. Verse 17. Quand il suit David en forêt. When he follows David in the forest. Il vient lui dire. He comes and tell him. Ne crains rien. Do not be afraid. Tu régneras sur Israël. You will reign on Israel. Et il ajoute. And he adds. Et moi, je serai ton second. I will be your second. Celui qui était appelé à devenir roi. The one who was called to Parce be king. Parce qu'il connaît la volonté de Dieu. Because he knows the will of il God. Il est prêt à s'effacer. He's ready to afin que celui que Dieu a choisi devienne roi. So that the one God has chosen become king. Normalement, naturellement. Naturally. Jonathan devait avoir comme personne à haïr. Jonathan David. Should hate David. Personne a éliminé David. He should have been. Donnons-nous des gens spirituels qui sont prêts him. À se surpasser. Give us spiritual people who are ready to go Dieu beyond lui a themselves. God is Je ne veux pas les combattre. I'm not gonna fight him. Cela me fait penser à Jean-Baptiste. That makes me think of John the Baptist. Il exerce un ministère où il est seul sur le terrain. He has a ministry where he's alone in the land. Les gens sont fixés vers lui. Eyes of people are On lui towards pose la him. Question, es-tu le Christ? They ask him, are you the Christ? Il dit, non, je ne le suis pas. He says, no, I'm not. Il y a quelqu'un qui vient après There's moi. There's somebody who comes after me. Qui est plus me. Grand que moi. Who is greater than je me. Ne suis même pas digne de délier le courroie de I'm ses sandales. I'm not even ready to open his shoes. Et plus tard, quand il voit Jésus, And later when he sees il dit, Jesus, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lamb of God who C'est lui la solution, pas moi. He's the solution, not Mais me. Ce qui me frappe le plus, But what touches me the c'est most qu'un jour, is one day. Certains de ses disciples sont venus presque accuser Jésus. Certain disciples come to almost accuse Jesus. Maître, tu sais. Master, you know. Celui que tu as baptisé au-delà du Jourdain. The one you baptized at the Jordan. Tout le monde va à lui. Everybody's going to him. Même le frère là qui joue au drum ici, Even il est the parti brother là-bas. Who was playing drums here went Le conducteur there. De louange, je l'ai vu là-bas. The praise leader went there. J'aime la réponse de Jésus. I love de Jean-Baptiste. Jesus, the il dit un homme John ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. A man can only receive si le ciel lui a donné, où est le problème? If heaven gave it to him, Et what's il ajoute qu'il faut qu'il croisse. And he adds he needs to grow. Et que j'ai diminué. And I may diminish. Si on avait des hommes spirituels. If we had spiritual men. Dans nos églises, dans les ministères. In our churches, in ministry. Comme Jonathan. Like Jonathan. Les églises seraient en paix. Churches will be in peace. Que des pasteurs titulaires qui prennent leurs assistants comme des menaces. Senior pastor takes their associate pastors as a menace. Et que des assistants aussi qui ne souhaitent que les titulaires meurent pour And prendre la place. The assistant also want the senior pastor to Et die so they can take the place. Et bandialnga kende. As soon as he starts coughing, they're hoping he will go. Parce qu'ils souhaitent prendre sa place. Because they want to take his place. Donnez-nous
de Jonathan. Give us Jonathan. Parce qu'ils connaissent la volonté de that Dieu. That because they know the will of God. Dire c'est à lui de prendre la place. Can say it's to him to take the quatrième place. Quatrième chose. Fourth thing. Que les Jonathan sont. That Jonathan's les are. Les Jonathan ne sont jamais jaloux. They are never jealous. L'une des choses qui détruit la vie et détruit le ministère. One thing that destroys life and ministry. C'est la jalousie. Is jealousy. La jalousie vous fait souffrir. Jealousy makes you suffer. De voir l'autre avoir ce que vous auriez voulu avoir. To see somebody else have what you would want to have. De l'autre devenir ce que vous auriez voulu or devenir. Somebody else become what you wanted to become. Abel et Caïn offrent. Cain and Abel give offerings. Dieu agrée l'offrande d'Abel. God takes the offering of Abel. Et regarde à peine l'offrande de Caïn. And barely looks at Cain's. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles. I don't know what's written in your Bibles. Caïn a dit gloire à Dieu. Cain said glory be to God. La Bible dit, il fut irrité. The Bible said he was irritated. Et son visage devient sombre. And his face was full of et anger. Et Dieu a dû lui parler. And God had to speak il dit, je vois les péchés qui se couchent à ta porte. I see the sin that's mais il dit, mais toi, domine sur lui. By you have dominion upon it. J'aimerais dire à quelqu'un, domine sur ses sentiments. I want to tell you, have dominion on that feeling. Saül et David reviennent du champ de bataille. Saul and David came back from battle. Les femmes commencent à chanter. Women started singing. Saül a tué ses mille. Saul killed 1,000. David a tué ses 10,000. And David 10,000. Ma Bible m'a dit il fut irrité. My Bible said he was irritated. Et il regarda David d'un mauvais œil. And looked bad at David. De ce jour et dans la suite. De ce jour-là et dans la suite. From that day on. La seule faute de David c'est d'être aimé. The only bad thing of David was to be loved. Mais j'aime Jonathan. But I love Jonathan. 1 Samuel 23, 17 que nous First avons lu. 1 Samuel 23, 17 il dit à David, dit, toi tu régneras. You will reign. Mais il dit, moi je serai ton second. And I'll be your second. Il dit, ça ne me dérange pas d'être second. It doesn't bother me to Donne-nous be second. Des gens qui ne sont pas dérangés, que nous soyons devant et que soient et derrière. That will not be bothered if toi we tu are, seras le titulaire et moi je serai l'adjoint. You will be the senior and I'll la be the associate. La jalousie détruit l'œuvre de Dieu. Jealousy destroys the works of God. Ah, je ne sais pas ce que l'année ici en Amérique du Nord. I don't know what it is here in North America. Je vais à une réunion d'hommes de Dieu à Bukavu. I went to a reunion of men of God in Bukavu. À l'est de notre pays. At the east of our country. On était à 30 à table. There were 30 of us at a table. On a servi des cakes. They gave cake et du coca. And coke. La réunion commence. The meeting starts. J'ai coupé les cakes trois fois. I cut the cake three times. J'ai bu quatre fois. And I drank four jusqu'à times. Que quelqu'un vienne me toucher. And somebody came and touched me. Toi quinoa. You from Kinshasa. Regarde depuis une heure, on est là. Est-ce que tu as vu un morceau de cake qui a été mangé? Look at us, we've been here an hour. Did you see anybody Est-ce else? Est-ce que tu as vu une bouteille qui a été bue? Did you see a drink that was regarde, drank? Ouf. You will die. Et je m'étais rendu compte que j'étais le seul naïf. And I noticed that I was the only one naive. Ici, personne n'aime personne. Here, nobody loves nobody. Chez nous, au pays, c'est terrible. That's how it is back home. It's terrible. Tout pasteur a son micro. Every pastor has his là, own mic. Là, il va prêcher là son micro. If he wants to preach, he has his Et own si mic. Et si tu lui donnes un micro, regarde bien. And if you give him a mic, he looks at it well. Presque tout pasteur se promène avec une fiole de miel. And more, almost every pastor has honey with them. Les abeilles sont en surproduction au Congo. Bees, there are a lot of bees back home. Un homme de Dieu à Goma me dit. A man of God in Goma told me. Quand je prêche 10 minutes, je fais semblant. Je vais prendre. When I preach 10 minutes, it's a lot. I'll cough a little bit and then I'll go take my honey. Jalousie. Jealousy. Mais Jonathan n'est pas jaloux. But Jonathan is not jealous. Toi, tu seras le premier. You'll be the first. Et moi, le second. And I'll be your second. J'ai appris à dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à accepter les succès des autres. I've learned to ask God, please learn me how to accept other people's success. Il y a des gens qui ont difficile à accepter que les autres soient vantés. People have a hard time accepting that other people are being praised. On vient, tu as suivi cette prédication du pasteur Pyrénées profond. Les choses qu'il a enseignées, accepte d'abord. Accept the things that he taught. Papa, tu as suivi Jean-Marc. Oh, quelle did profondeur. You, did you listen to the message of Pastor Jean-Marc? Oui, démons. I did deliverance of 8 demons. Donc, tu dois la baisser pour montrer que toi, tu es grand. You need to put him down to show that you're greater.
Mon pasteur disait, my pastor was saying, la grandeur qui se crée en abaissant les autres n'est pas de la grandeur. The greatness that is created by putting other people down. La vraie grandeur n'a pas peur d'élever les autres. True greatness is not scared of raising other people up. Cinquième chose attachée au Jonathan. Fifth thing attached to Jonathan. Les Jonathan connaissent nos besoins émotionnels. Jonathans know our emotional needs. Connaissent nos besoins émotionnels. They know our emotional needs. Nous n'avons pas besoin de leur demander des services. We don't need to ask them for services. J'ai dit, ça fait plus de 29 ans que je suis dans le ministère que de profiteurs. I've seen, for more than 29 years, I've seen ministry of people who just use. Que des capitalistes. Capitalists. Tout ce qu'il te donne, c'est un investissement pour avoir en retour. Everything that he gives you is an investment to get back. David est en train de se cacher en forêt. David is hiding in the forest. Il est devenu un sans domicile fixe. He became a without a house, a homeless. Il passe d'une caverne à l'autre. He's going to a place to another. De 1 Samuel chapitre 23. 1 Samuel chapter 23. Verset 15. Verse 15. David voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, s'éteint au désert des Ziph dans la forêt, il se cache. He was hiding. J'aime le verset 16. I love verse 16. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. David ne lui a rien demandé. David didn't ask him for anything. Il est dans la forêt. He's in the forest. Il est sous stress depuis longtemps. He's very stressed for a long time. Il a quitté le confort du palais royal. He left the comfort of the royal palace. Pour aller dans la forêt. To go to the forest. Encourager quelqu'un qui ne lui a rien demandé. And to encourage somebody who didn't ask him anything. Donne-moi quelqu'un qui réfléchit à ma place. Give me somebody who's thinking for me. Donne-moi quelqu'un qui réfléchit à ma place. Give me somebody who's thinking for me. Il y a quelques années, je prêchais à l'église. A few years back, I preached at church. J'ai dit, nous les pasteurs, on est comme les mamans. Sanglier, pastors cochon. Were like women. Tu pigs. Dois offrir ta poitrine. Chaque enfant vient se servir. Every child comes to just serve. J'ai jamais you vu serve. Un membre entrer dans mon église et regarder pasteur dans les yeux. Pasteur, comment tu vas? Ça va bien? I've never seen anybody non, come tous ceux qui viennent chassent mes démons, répondent mes problèmes, solutionnent mes problèmes. Personne ne se préoccupe de nous. Nobody cares for us. Donne-moi quelqu'un qui pense aussi à moi. Give me somebody who also thinks about me. Et Jonathan. And Jonathan, il laisse le confort. Leave the comfort. Il alla vers David dans la forêt. Goes towards David in the forest. La fin du verset 16. I love the end of verse 16. Il fortifia sa confiance à l'Éternel. He encouraged his il fortifia sa confiance à l'Éternel. He increased his trust in the Lord. Il savait qu'à cette zone de turbulence, during his zones of turbulence, David commençait à avoir des craintes. David started to be afraid. Et il va et lui parle. He went and talked. Sois courageux. Be courageous. Sois fort. Be strong. Sois très fort. Be very strong. Il fortifia sa confiance en l'Éternel. He encourages la version parole de vie, strength il in the Lord. Il rendit courage à David. He encouraged David. Il s'est rendu auprès de David pour affermir son courage. He went towards David to increase his courage. Sixième chose attachée Sixth au Jonathan. Thing attached to Jonathan. Les Jonathan connaissent la valeur et le pouvoir des mots. Jonathan's know the value of words. Ils connaissent la valeur et le pouvoir des mots. They know the value and power of words. Dans Isaïe chapitre 50. In Isaiah chapter 50. Au verset 4. Verse 4. Le prophète dit ceci. The prophet says this. Le Seigneur m'a donné une langue exercée. The Lord gave me une a langue tongue, exercée. A tongue that I can use. Pour que je sache soutenir. Exercise tongue, so I can. Par la parole. So I know how to sustain celui by the qui word. Est abattu. The one who's suffering. Que Dieu nous donne par dizaines, par centaines de gens May qui God vivent give us ce by hundreds people who live this verse. Et 1 Samuel 23 que nous avons lu. And 1 Samuel 23 that we read. Au verset 17. Verse 17. Quand il arrive, il voit David. When he comes and sees David. Il lui dit quatre choses. He tells him four la première things. Chose, il les rassure, ne crains rien. The first thing, do not be afraid. Vous savez, il y a des choses auxquelles vous croyez, mais vous avez besoin que ça sorte d'une autre bouche. You know, things in which you believe but you ne need it to come out of somebody rien. Else's mouth. Do ne not be afraid. Rien. Do not be afraid. Ne crains rien. Do not be afraid. J'ai jamais oublié cette période. I've never forgotten this period. Mon épouse et moi, on faisait la formation théologique à Nairobi. My wife and I were doing a formation in a seminar in theology. C'était la période la plus noire de mon parcours ministériel. It was my the darkest period of my ministry. À la fois j'ai souffert de ce désert.
At the same time, I suffered from that desert. Mais j'avais mal pour la fille d'autrui qui a grandi dans des conditions bonnes et qui commençait à vivre certaines choses à cause de moi. But I was mostly suffering because of somebody else's daughter who had grown up in good conditions, but I was suffering because of me. Permettez que j'en parle un peu. Allow me to talk about it a little bit. Nous venons d'avoir notre troisième fille. We just had our third daughter. Et elle a eu ce qu'on appelle les retours de couches, c'est-à-dire les règles qui reviennent. And she had periods back. Je n'avais même pas $1 pour lui acheter des bandes d'hygiène. I didn't even have $1 to buy her pads. Je l'ai vu utiliser les couches de notre fille. She had to use our diapers, daughter's diapers. D'enlever tout cela aux toilettes, j'avais mal et honte d'être mariée. I was ashamed to be her husband. Je me trouvais un gaillard zéro. I was finding myself less than anything. Je me souviens un autre jour. I remember another day. Je devais aller prêcher quelque part. I was supposed to go preach somewhere else. And she was supposed to come with me. Le prix du transport c'était 10 shillings kenyans par personne. And the price of the transport was 10 shillings. Shilling per person. Et pour nous deux ça devait faire 20. And for the two of us it should have been 20. J'ai dû chercher les pièces jusqu'à sur les lits. I had to find quarters, even in the bed. Au lieu de 20, j'en ai retrouvé 12. Instead of 20, I found 12. Et nous, les Congolais, même à l'étranger, on a un problème d'élégance. And even in Congolese, even when we outside, we have a problem of elegance. Les Kinois disent bopé, tupé, bokolongo, no yanzoto. Congolese said you always should look good. En cours de route, on s'est distingué un Sénégalais du Congolais. Back home, we can distinguish somebody from Senegal and the Congolese. Et elle et moi, on était à l'arrêt des bus. And we were at the bus stop. Les transports en commun du Kenya qu'on appelle matatu. Public transportation that's called matatu in Kenya. Ça s'arrête. It stops. J'appelle ces receveurs là. I called the receiver in the bus. Je te dis, ne te fie pas l'élégance, ça c'est notre maladie au pays. I said, do not look at our appearance, that's our disease back home. Mais au lieu de 20 shillings, on en a 12. Instead of 20 shillings, we only have 12. Moi, j'ai parlé à voix basse. And I spoke in a small, voice. En Swahili kenyan qui est un peu impoli, vous qui manquez l'argent, vous vous habillez bien. And he started speaking, you all missing money, you dress well. Tout l'arrêt de bus s'est mis à nous regarder. And everybody at the bus stop started looking at us. J'avais envie que la trompette sonne qu'on aille pour l'enlèvement. I felt like the trumpet should have rang so that we can go up. J'avais for rapture. Honte avec H majuscule. I was ashamed. Et puis les gens montent. And people go into the et bus. Et puis c'est retourné un moment. Où est le musée là qui avait demandé qui a 12 shillings? And he turns around, but who is that man who was asking? Il dit montez. He said come on in. Et quand je monte, il dit restez debout et ne vous asseyez pas. And when we come in, parce he said do not sit. J'aurais voulu vivre ça seul sans ma femme. I should have lived it alone without my wife. Être humilié seul, ça peut aller mais devant sa femme. Being humiliated alone is fine, but in front of your wife. Je n'osais pas regarder Viviane dans les yeux. I could not even look at her in her eyes. Mais je n'oublierai jamais. But I never ça forgot. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui connaît le pouvoir des paroles. It's good when somebody knows Viviane the power of words. Viviane a posé deux gestes. She did two gestures. Le premier m'a touché par la main. She held me by my deuxième, hand. Deuxième m'a soufflé à l'oreille en lingala. And the second she Roland, yo kosomela ngami tuka mikolo mososo. And she said in my ear, Roland, you'll buy me cars one day. Ça fait du bien quand on est au plus bas. It's good when d'avoir quelqu'un qui vous encourage. To have somebody who encourages c'est you. Je dis, c'est lui qui osera toucher ma Viviane à cause de quoi. That's why I say. Quand elle a cru en moi, tu étais où? When she believed in me, where were you? Quand j'étais informé, vide comme la terre au commencement, où when tu I étais? Was empty, where were you? Un jour, une femme entre dans mon bureau. One day, a woman comes into my office. Roland, est-ce que Viviane a coquiné ma cambo? Roland, is Vivian capable? A man like you. You should love women like us. I said I will beat you. Que Dieu bénisse ma Viviane. May God bless my Vivian. Que Dieu nous donne à vieillir ensemble. Les Jonathan connaissent la valeur des mots. Jonathan's no value of words. Il lui dit d'abord, ne crains point. Do not be afraid. Des fois, vous avez besoin que quelqu'un vous prophétise. Sometimes you need somebody to prophesy for you. Deuxième, il dit, la main de mon père ne te touchera pas. Second, he said, the hands of my father will not touch you. Il y a des choses que l'on connaît, mais des fois, on a besoin que quelqu'un d'autre vous le dise. There are things that we know, but we need somebody else to tell us. Et puis, là, je, tu régneras sur Israël. And one day you will reign on Israel. Et puis, en terminant, il dit, and to end Saül, says, mon père, lui aussi, il le sait. So my father also knows ça fait that. De bien de savoir que même celui qui te combat sait que tu finiras. It's good to know that somebody who's
fighting you, il y a des choses, si tu doutes, mais si Jonathan qui habite à côté de Saül te les dit, ça devient plus vrai. There are certain things that you have doubt on, but if Jonathan who lives next to Saul tells you, it que becomes tu sois more Jonathan true. Pour quelqu'un. I pray that you become a Jonathan et je prie for que somebody. Dieu place un Jonathan sur ta route. And I pray that God si puts a Jonathan d'accord on avec your moi, way. Aide-moi à dire amen. If you agree with me, say amen. Je faisais rire les amis au pays. I was making my friends laugh in the country. Quand cet ami avec qui j'ai étudié en 5e et en 6e secondaire à l'Athénée de la Gombe. There is this friend I went to school with in high school. Il s'appelle Coutinho Fernando. On a étudié 5e et 6e biologie. We did biology together. J'aimais bien suivre ses émissions quand il prêchait à la télévision. I loved watching his shows when he was preaching on TV. Il avait un de ses musiciens, on dit que c'était son cousin. He had a musician, people said he was his cousin. Que les Kinois appelaient Ndunga Ndunga. That people were calling Ndunga Ndunga. Ndunga Ndunga, de temps en temps, quand il chantait, puis il s'arrêtait, disant Lingala, Coutinho Fernando et Osaya Nzambe. Sometimes ça fait bien d'avoir quelqu'un qui croit and en then toi. You say you're a man of God. It's good when you have people même praising quand personne you. Ne croit en toi. Even when nobody believes quelqu'un in quelqu'un qui you. Avec ses mots peut t'encourager. Somebody with the words can always encourage que Dieu you. Dieu te donne des Jonathans. May God give you Jonathans. Qui peuvent t'encourager. Who can encourage you. Septième chose et avant dernière. Seventh thing. Attaché aux Jonathans. Attached to Jonathans. Les Jonathans sont prêts à se mettre en danger pour nous. Jonathans are ready to put themselves in danger for prêt us. À se mettre en danger pour nous. Ready to put themselves in danger ces for us. Ce texte m'a toujours frappé. This text always touched me. D'abord 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel chapter 19. Verset 4 à 6. Verse 4 to 6. Saül décide que Jonathan doit disparaître. Saul decided that Jonathan disappeared. Écoutez ce que ma Bible dit. Listen to what my Bible says. Jonathan parla favorablement de David à Saül son père. Jonathan spoke good of David to his father Saul. Qu'a-t-il à gagner dans cela? What would you have to gain in écoutez that? Écoutez les paroles. Que le roi dit-il ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David? Do not sin. Car il n'en a point commis envers toi. Because he hasn't sinned towards you. Au contraire, il a agi pour ton bien. He acted in your good. Il a exposé sa vie. He exposed his life. Il a tué les Philistins. He killed Philistines. L'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. He did a big deliverance for all Israel. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. You saw it and you were happy. Pourquoi pécherais-tu contre les sang innocents? What would you sin against an innocent blood? Pourquoi ferais-tu mourir sans raison quelqu'un? Why would you kill somebody without a reason? Quelqu'un qui devient mon avocat sans que je lui paye des honoraires. Lord, give me somebody who will become my lawyer without me paying them. Jonathan est prêt à perdre l'amour et l'amitié de Saül pour défendre David. Jonathan is ready to lose the love and friendship of Saul to defend David. Seigneur, place sur ma route quelqu'un pour qui mon bonheur, ma progression, il est prêt à payer n'importe quel prix. Lord, place on my way somebody who is ready to pay anything for my progression. Écoutez la conséquence. Listen to the consequence. Saül écouta la voix de Jonathan. Saul listened to the voice of Jonathan, et jurant en disant l'Éternel est vivant. And swore and said the Lord is alive. David ne mourra pas. David will not die. Jonathan appela David. Jonathan called David. Et lui rapporta toutes ses paroles. And told him all of these words. Puis il l'amena auprès de Saül en présence de qui David fut comme auparavant. And he brought him in the presence of David, of Saul. Dernière des choses attachées au Jonathan. Last thing attached to Jonathan's. Ils sont prêts à rompre les cordes pour David. They are ready to end ties for David. Ils sont prêts à rompre les cordes pour David. They are ready to end ties for David. 1 Samuel 20 verset 9. 1 Samuel 20 verse 9. Il prend les secrets de son père et il va aviser David. And he takes the secret of his father and goes and tells David. Tu dois fuir. You need to run. Papa a décidé de te tuer. My father decided to kill you tonight. Où sont les Jonathans? Where are Jonathans? Je comprends pourquoi David l'a tant aimé. I understand why David loved him so much. Mais cet après-midi en terminant. But this afternoon by finishing. J'aimerais dire trois choses avant qu'on prie. I want to say three things before we pray. La première. The first. Les Jonathans ne sont pas forcément Jonathans la conséquence de nos prières. Are not always the answer to our prayers. David n'a jamais demandé d'avoir un Jonathan. David never asked to have a Jonathan. Étonnant. Surprising. Il vient de tuer Goliath. He just killed Goliath. Les femmes ont chanté pour lui. The women sang for him. Et la Bible montre.
And the Bible shows. À peine il entrait. As soon as he entered. Ce fut alors que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. That's when the soul of Jonathan attached Dieu was attached to the soul of David. Comme un prophète. God told me to speak to somebody as il a prophet. Il va faire entrer quelqu'un dans ta vie. Who is going to enter somebody into your life? Sans que tu aies prié. Without you praying. J'aimerais dire à quelqu'un. I want to tell somebody. Entre où tu es, la prochaine étape vers l'élévation, c'est une relation qui va faire toute la différence. Between where you are and where you're going is a relationship that's going to make the difference. Dieu est sur le point de la susciter. And God is ready to do it. Deuxième chose attachée au Jonathan. Second things attached to Jonathan. Ils entrent dans notre vie au bon moment. They enter in our lives at the right time. Ni trop tôt. It's not too early. Ni trop tard. Nor too late. Le Dieu de la Bible ne vient jamais en retard. The God of the Bible never comes late. Ma Bible à moi dit il fait toutes choses. My Bible says he does all things. Bonne. Good. Et parfaite. And perfect. En son temps. In his time. La troisième chose. Third thing. Concernant les Jonathan. About Jonathan. Ils nous rendent complets. They make us whole. Et prêt pour notre destinée. And ready for our destiny. Prêt pour notre destinée. Ready for our destiny. Je demande aux musiciens de s'avancer, je vais conclure. I'll ask the choir to come back up. Je suis arrivé à La Borne au mois de novembre 86. I came to La Borne in November 86. Dès le premier samedi où j'étais à la jeunesse de La Borne. And the first Saturday when I was at the youth meeting in La Borne. Dans ce groupe, il y avait plus de 300 jeunes. In this group, there were more than 300 young people. Vers la fin, alors que l'on priait. Towards the end, as we were praying. Il y a eu un silence. There was silence. Et une parole prophétique est sortie. And a prophetic word came. Il y a un jeune homme qui est entré aujourd'hui dans cette jeunesse pour la première fois. There's a young man who came to the youth meeting for the first time. Dans moins de 4 ans. In less than 4 years, il sera parmi les leaders et les responsables de cette église. He will be amongst the leader and of the church. Je crois au Dieu de la Bible qui parle. I believe in the God of the Bible who speaks. Je crois au ministère prophétique. I believe in prophetic ministry. Parce que ma Bible dit l'Éternel Dieu ne fait rien. Because my Bible says that sans the avoir Lord révélé les secrets à ses serviteurs, le prophète. Without having told la Bible his servant dit c'est par un prophète qu'Israël fut conduit. C'est par un prophète qu'il fut gardé. Je prie que Dieu place sur ta route un vrai Nabi. I pray that God will put on your way a true Nabi, a true prophet. Pas ceux qui tâtonnent. Not those who are not accurate. Ceux qui essayent. Not those who try. Comme ces prophètes chez nous à Bukavu. Like those prophets in Bukavu. Ils voient une femme enceinte ici. They see a pregnant woman and they start shaking. Et ils déclarent en lingala nzamba yusinga robota. So yimona mwasi te mwana mobali. And he said, God told me you're gonna give birth to either not a woman, a man, a girl. Shut up. Si Dieu ne t'a rien dit, tais-toi. If God didn't tell you anything, shut up. Donne-nous des vrais prophètes. Give us real prophets. Qui parlent de la part de Dieu. Who speak from God. Et ce jour-là, je reçois cette parole prophétique. And that day, I received this prophetic word. 9 mois après. 9 months later. Je venais à la jeunesse de La Borne comme un monsieur lambda. I was coming to the youth meeting just as a random man. On avait invité un prédicateur. We invited a preacher. Qui n'est pas venu. Who didn't come. Et notre leader, le pasteur Veilly. Our leader, Pastor Veilly. Demande, y a-t-il quelqu'un qui a médité aujourd'hui qui peut partager sa méditation? He said, is there somebody who read the Bible today and who je m'élève, wants je to partage share? Ma méditation. I stood up and il I pose shared. La question, frère, tu t'appelles encore comment? And he asked, brother, what's your name? Je dis le frère Dalo. I said, brother Dalo. À la fin de l'année, comme plusieurs, ils escamotaient toujours mon nom. And at the end of just like everybody la always finit, say my name qui wrong. Partagé la méditation, le frère Dola, il est où? Brother Dola, who shared the word? Where is he? J'ai hésité pour lever la main puis je dis. I hesitated to raise my hand. Partagé la méditation, mais c'est pas Dola, c'est Dalo. But I said my name is not Dola, it's Dalo. Il m'appelle. He called me. Et quand tu parlais. He said when you were speaking. Dieu m'a dit de te prendre sous mes ailes. God told me to take you under my wing. Et de t'encadrer. And to la destinée des fois ça tient à des petites choses comme destiny, ça. Destiny sometimes stick to little ces things like that. Ce prédicateur serait venu peut-être que ça serait autre chose. The preacher could have came. J'aurais maybe would have been je ne partagerai pas, je ne sais pas. Maybe ce I would have been shy and wouldn't have shared the word. Et il a commencé à me prendre chaque mardi pour and prier avec lui. And he started taking me every Tuesday to pray with him. 6 mois après. 6 months later. J'ai jamais oublié un dimanche. I never forgot a Sunday. Il vient me voir. He came to see me. Et je suis invité à aller prêcher à notre extérieur.
extension à Massina, là où priait Gabriel. At our extension in Massino, our pastor Gabriel was preaching. Viens demain lundi, praying. De 9h à 13h, on va prier. Monday, et puis we'll à 15h, on ira prêcher. And at 3, we'll go preach. Je commence à prier avec lui à 9h. I started praying with him at 9. À 11h, lui qui carburait dans la prière ne carburait plus. And at 11, he kind of stopped. Il me dit, continue, je reviens. He said, continue, I'll come back. Vers midi, il revient grêloter. And around 12, he came shaking. Il dit, laisse-moi une heure, je te dirai quoi. He said, give me 1 hour, I'll tell you what. Vers 13h, sa femme vient. Around 1, his wife came. Il dit, Roland, entre en chambre. He said, Roland, go to the room. J'entre, je le trouve alité. Il se réveille. Il dit à sa femme, donne-moi une feuille et un stylo. I came into the room. I found him on his bed. He asked his wife for a pen and pencil. Il écrit une lettre. And he was writing a letter. Il dit, avant que je mette dans l'enveloppe. He said, before I put in the envelope. J'aimerais que tu lises. I want you to read. Je n'ai jamais oublié. I never forgot it. Il écrit au pasteur de là. He wrote on est le pasteur se mettant en voyage. Il écrit à un certain pasteur. Je n'ai jamais oublié son nom, Eléa. He wrote to Pastor Eléa. Il dit, ce jeune homme est pour moi comme Timothée était pour Paul. He said, this young man is for me like Timothy was for Paul. J'étais appelé à tenir ce séminaire. I was called to hold this, to host this seminar. Dimanche, from Monday to mais Sunday. Mais je ne me sens pas bien. But I'm not feeling well. Il n'a jamais prêché devant de grands auditoires. He never preached in front of mais a big crowd. Mais j'ai foi en lui. But I have faith in him. Acceptez-le de prêcher. Allow him to preach. Quand j'ai lu, when I read, je lui ai donné, je dis non. As I gave him parce back que l'église qui m'a envoyé c'était 1500 personnes. Because the church he sent me was 1,500 avant ça, people. Avant ça, le plus grand auditoire devant lequel j'ai eu à prêcher 20 personnes. Before that, I was only used to preaching in front of 20 people. Comment passer de 20 à 1500? How do you go from 1,000 to 1,500? Et il a prié pour moi. And he prayed for me. J'ai jamais oublié. I never forgot. Quand j'arrive à l'endroit. When I come to the place, même quand j'aurai 1000 ans et que j'aurai scié les sourcils blancs, j'oublierai jamais l'humiliation que j'ai reçue. Even when I'm 1,000 years, I'm old. I'm never going to forget. Je donne le courrier au pasteur. I give the letter to il the pastor. Il me regarde de bas en haut. And he looks at me from my shoes il me dit, to my head. Ensemble, hein? And he said, "Are you playing with the work of God? You're hotel. Can you can preach here? Ici. Do you know how to preach?" Je dis, j'ai rien demandé. I said, "I didn't ask for anything." Et puis il se retourne. And then he turned et puis around. Dit, attends, on va délibérer si on te laisse prêcher ou pas. He said, "Wait, we're gonna il talk même about pas it and decide if me you're gonna preach." Délibération. He turns around. J'avais ma Bible, j'avais l'impression qu'il commençait à peser 1,000 tonnes. I had my Bible and I felt like he was weighing 1,000 tons. J'ai jamais oublié. 5 minutes après. 5 minutes later. Il revient. He comes back. Il dit, tu prêches. He said, you preach. Mais seulement aujourd'hui. But only today. S'il guérit pas, on va se débrouiller. If he doesn't work, we'll find a way. If he doesn't heal, we'll find a way. La deuxième. The second. Aïe, 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 ça m'a choqué. It shocked me. Vous savez, quand on veut présenter un prédicateur, il faut communiquer la foi à l'auditoire. You know, when you introduce a preacher, communicate faith to the introduit. People. Listen to how on they introduce l'homme me. De Dieu, we were waiting for the man of God. Mais l'homme de Dieu est souffrant. But the man of God is not mais feeling well. On va se débrouiller avec le jeune homme. We'll find a way with this young donc, man. Donc il y avait d'un côté l'homme de Dieu. On the other side, the man of God. Et le jeune homme. And the young man. Cette présentation m'a révolté. J'ai dit, that Seigneur, montre de quoi le jeune homme qui avec Dieu est capable. Et avant que je ne monte, and before I went up, j'ai jamais oublié, il m'a pris. I never forgot, he took me. En Lingala de Kinoya Bayanke. In the Lingala back home. Petit n'apaiso 45 minutes. So I give you 45 minutes. Sur maxi minute mo ngamo na yo timo la yo. If you add one more minute, I'll come and get you. Tout pour m'intimider. Everything to intimidate me. J'ai jamais oublié. I never forgot. Au lieu de 45, instead of 45, j'ai enseigné 35. I preached 35. J'ai demandé aux gens de se lever. And I asked people to sur stand. Le Saint-Esprit. The theme was on the et Holy Spirit. Et on a commencé Spirit. À prier. And we started l'onction praying. De Dieu a soufflé. The anointing was on j'ai the place. J'ai jamais oublié. Je I vois la femme forgot. Du pasteur tomber. I said, I saw the wife je of the pastor falling. Je vois les anciens commencer à tituber en parlant and alors. Et puis speaking je regarde. And I look at my watch. 44 minutes. I said 45 minutes. Je prends minutes, le micro rapidement. And I take je viens the mic. Lui donner. And I come and il me dit give continue, him. Continue. He said continue, continue. Que Dieu te donne un Jonathan. May God give you a Jonathan. Il va te propulser dans ton destin. Who will bring you to your destiny. Et je finis de faire le service. And I did the service. J'ai jamais oublié. I never forgot. Écoutez sa prière à la fin. Listen to his Seigneur, nous te rendons end. Grâce pour ces grands hommes de Dieu que tu Lord, nous as envoyés. Lord, we bless you for the big men of God. Quelle promotion.
What a promotion. Une heure avant, j'étais un jeune homme. One hour before, I was Une heure a young après, man. Je suis devenu un grand homme de Dieu. And I became a man of God. Et il ne s'arrête pas là. And he doesn't stop il dit there. Que les pasteurs veillent, guérissent ou pas. L'homme de Dieu va continuer. The man of God will continue. Et j'ai prêché durant 7 jours. And I preached for 7 days. Au 7e jour, je termine. The 7th day I stopped. Je rentre mercredi à l'étude biblique à la bord. Wednesday I go back to calmement dans les bancs. Bible study. J'avais jamais eu un contact avec mon pasteur, le pasteur Vernon. I never had a contact with Pastor Vernon, my pasteur. Avant l'étude. He came before the study. Il y a des gens qui font des exploits ici et qui se cachent. And he said there are people who are doing great things here but that are hiding. Il y a Massina et encore une fois, le frère Dola, il est où? Brother Dola. Dola, il est où? Where is he? Je dis moi j'étais à Massina mais pas Dola. I was in Massina but my name is not Dola. C'est lui qui était à Massina. The one who was in C'est moi mais c'est Dalo. Dit ouais Dalo. It's me but it's Dalo. Il dit faites-le quitter la viens t'asseoir ici. You should come and sit here. J'aime quand Dieu promote. I love when God promotes. À la fin de la réunion. At the end of the meeting. Il me dit. He said. Vendredi prochain tu enseignes. Next Friday you preach. Il dit je veux voir ce qu'il y a dans ton ventre. I want to see what you have in your stomach. Vendredi j'ai enseigné. Friday I taught. Et 9 mois après je suis devenu son pasteur assistant. I became his associate pastor. Je veux dire à quelqu'un. I want to tell somebody. Entre ta prochaine étape et celle-ci. Between the next step and now. Il te faut un Jonathan. You need a Jonathan. Que mon Dieu te donne un Jonathan. May God give you a Jonathan. Quelqu'un qui veut travailler pour ta promotion. Somebody who's working for quelqu'un your promotion. Quelqu'un qui est prêt à se déshabiller somebody pour que tu sois ready. Quelqu'un qui n'est pas jaloux de toi. Quelqu'un qui place tes intérêts avant. Donne-moi un Jonathan. Give me a Jonathan. Fais de moi un Jonathan pour Make quelqu'un. Me a Jonathan for Est-ce somebody? Qu'on peut s'élever en acclamant Can le Seigneur? Stand and praise God? Est-ce qu'on peut chanter Waymaker? Can we sing Waymaker? You are here. Tu es ici. Faisant des miracles. Doing miracles. Réarrangeant des destinées. Rearranging destinies. Je me suis réveillé ce matin avec ces cantiques. I woke up this morning with et that song. Dit, chantez-le. And God told et me Et les choses vont it. Se passer. And things will happen. You je me suis mis à, ce matin, je me suis mis à côté de mon épouse. Ce matin, je me suis mis à côté de mon épouse en priant. I was next to my wife. Je m'a dit la réunion de ce soir. Ça sera une garnison des prophètes. Tonight, a prophet je ne sais pas ce qui together. Va se passer ce soir. I don't know what's gonna happen Il est possible tonight. Que la prophétie ne vienne pas de moi. It's possible ça pourra venir de ton voisin. From me, but from your ça pourra venir de celle ou celui qui est à tes côtés. From Go ahead now. To you. Moving in on me. Yes. Yes, I do. Fais de moi un Jonathan pour quelqu'un. You are here. Place un Jonathan sur Working in this place. I worship you. Hallelujah. I worship you. Oh!
instruments continuent à jouer. Esprit du Seigneur, cœur, élève ta voix. Raise your voice. Laisse monter cette prière en langue. You can pray in tongues. Laisse monter ce chant en langue. In tongues. Robo chando robo sete. Rokoto robo che. Chando robo sataj. Robo shaya. Continue à parler. Robo chando robo. Brocondo robo chaye. Dorobo chanda. Certains sont en train d'être saisis par l'esprit. Tu as des visions. Tu entres comme en transe. Tu entends une voix. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert. Quand tu descends. Sweet.